Radio 2M. Faites entrer l'invité avec Fethiye El Aouni. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité. Suite à l'émission de la semaine dernière sur les violences gynécologiques et obstétriques dans certains de nos hôpitaux, un collectif de sages-femmes nous a demandé un droit de réponse auquel, bien évidemment, nous avons répondu. Pour rappel, lundi dernier, le collectif Tbibwahi fait part et pour des étudiants en métier et de jeunes médecins, nous avait alerté sur les nombreuses violences dans certains hôpitaux, des violences physiques et verbales, et cette omerta en avait choqué plus d'un. Le débat est donc ouvert et la prise de parole se libère. Avec nous, trois sages-femmes, Fouzia Al-Qurshi, Naïma Isder et Laetitia Rustenmeyer. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Je vais vous demander de bien parler devant le micro. Naïma, vous avez toutes suivi, je crois, avec beaucoup d'attention cette émission de lundi dernier. Pourquoi vous avez demandé un droit de réponse tout d'abord, Naïma? Mais écoutez, cette émission m'a vraiment interloquée. Ça m'a fait très plaisir d'entendre tout ce qui a été dit. En fait, ce sont des choses auxquelles nous pensions depuis très 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 longtemps. Mais je vais dire que... Quand vous dites nous pensions, vous aviez envie de vous exprimer dessus, c'est exactement, ça? Exactement, mais on ne savait pas trop comment faire, ni comment faire parvenir le message. Et moi, j'ai vu ces petites jeunes de lundi dernier, c'est comme si elles nous avaient tendu la perche à ça. Elles avaient résumé tout ce à quoi on a pensé jusque maintenant. Et c'est pour ça que je me suis permise de vous appeler. Et ça nous fait vraiment très plaisir d'être là et d'avoir notre droit de parole. Alors, la première question qui se pose par rapport à ce que vous avez entendu, tout d'abord, est-ce que vous confirmez ces violences, Laetitia? Oui. On confirme que la plupart des soignants peuvent avoir, été au moins une fois dans leur vie confrontés à ce genre de violence. Et bien sûr, les femmes elles-mêmes avec leur nouveau-né. Et malheureusement, parfois, il y a des conditions qui laissent faire ce genre de choses. Mais il y a quand même des solutions à ces soucis, on va dire, que l'on rencontre. Je pense la même chose que mes copines, bien sûr. Les violences, c'est un mot qui est assez large, mais là, on va parler de violences obstétricales spécialement, parce que c'est notre monde, c'est notre domaine. C'est des choses que nous avons vues, que nous avons vécues. On confirme leur présence, on n'est pas en train de nier. On est là, il vaut mieux dire ce que mettre des mots sur les mots et trouver des solutions que de se taire. On est fatigué d'attendre que ça vienne et qu'on trouve un moyen pour discuter et pour trouver des solutions. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas raté l'occasion pour pouvoir justement en parler. Pourquoi on n'en parlait pas? C'était tabou d'en parler? En fait, c'est tabou, oui, quelque part, c'est tabou, mais de plus que, vous savez, c'est un rythme de vie, en fait, les violences que subissent les femmes, c'est un rythme de vie. L'hôpital est devenu comme une usine, en fin de compte, parce qu'il y a des choses qui se passent et qui se suivent. Et on a peu de temps de se soucier de ce que ressentent les femmes, qu'est-ce qu'elles vivent. Il y a certaines choses qui sont tellement aberrantes. Oui, ça, c'est un truc qu'on n'accepte pas. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a plein de sages-femmes qui ont quitté les maternités et qui travaillent ailleurs. Mais il y a d'autres choses que nous voyons et que nous pensons que les femmes sont capables de pouvoir justement se pousser de ce côté violent de la vie de maman. C'est seulement qu'elles ne le savent pas. Elles ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Elles sont quand même... on les rend comme des choses, en fin de compte, pour accoucher. C'est-à-dire qu'elles ne participent pas à leur accouchement. Et c'est ça, justement, qui nous fait de la peine, en fait. Parce que l'accouchement, c'est un acte que la maman fait. Nous, on est là pour accompagner. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'assister à ces scènes et de vous y opposer? Oui. Oui. Tout le temps. Oui. Oui, oui, oui. Donc à ce moment-là, vous faites quoi? Si vous voyez un gynécologue obstétricien avoir des gestes graves, parce que c'est pas anodin. Aujourd'hui, il faut se réjouir d'une chose, c'est que la parole se libère et que jusqu'à présent, on n'osait même pas mettre des mots sur ces violences. Les jeunes de Tbibwahi nous disaient que c'est difficile aussi pour la patiente. Ça devrait être le plus beau jour de leur vie, oui. Donner
la vie. Et ces patientes-là ne sont pas capables, dans ce moment-là, ni de s'opposer, ni quoi que ce soit. Elles ne sont pas dans une situation qui le permet. Donc aujourd'hui, que la parole se libère et que le débat soit ouvert, je pense que c'est l'un des points les plus positifs. Est-ce que, donc je renouvelle ma question, vous avez assisté et de quelle manière vous vous êtes opposée ? Déjà, une sage-femme, c'est une protectrice de la femme et c'est une gardienne de la physiologie. Donc quand on est dans une salle d'accouchement, d'abord on écoute les femmes, parce que c'est ça qui est le plus important. Ensuite, si on voit un acte de violence physique, personnellement, moi, je m'interpose même moi-même physiquement. Et ensuite, si ce sont des violences verbales et psychologiques, j'interviens aussi également en répondant à la personne qui émet ces violences. Voilà. De la même manière, faut c'est, la même, c'est la même chose, mais je voudrais juste corriger un petit truc. En fait, ce n'est pas seulement les gynécologues qui peuvent être à l'origine de violences. En fait, nous sommes une équipe, on travaille ensemble. Quel que soit le profil, médecin, gynéco, sage-femme, infirmière, en fait, la femme a subi l'ensemble des violences dans leur généralité. Ça peut être, comme vous avez très bien dit, des violences qui sont physiques, ou bien des violences psychologiques, peut-être des verbales aussi. Notre rôle, comme elle a bien expliqué Laetitia, c'est justement de protéger cette femme dans toute sa totalité, dans sa personne aussi. Parce que l'accouchement, il rend vulnérable. L'accouchement, c'est le moment le plus vulnérable de la vie d'une femme, en fait. Si on réfléchit, c'est le moment le plus vulnérable. Et on se prépare pour cet accouchement, en fait. Si on n'est pas prête pour cet accouchement, eh ben c'est là où on subit. Et si on n'a pas de sages-femmes qui sont quand même assez prêtes pour ça... On va en parler. Oui. Juste par rapport à ces violences, parce qu'on va regarder ce qui va et ce qui ne va pas et comment pourraient être améliorées les choses... Quand vous parlez des violences physiques, et comme l'ont témoigné ces jeunes étudiants qui, eux, en état de choc, ils se dirigent vers un métier qui les passionne, et elles nous ont dit, ça ne nous a pas donné envie d'arrêter, bien évidemment que non, mais surtout de voir quelque chose de différent. Ces violences physiques, donc pas spécialement, vous avez raison de le signaler, pas spécialement d'un gynécologue obstétricien qui peut être de l'infirmière ou de sage-femme, hein, qui n'est pas correctement fermé. Elle intervient quand précisément cette violence physique ? Au moment même de l'accouchement et pourquoi ? Nahima ? Elle, pas forcément au moment de l'accouchement. Elle intervient pendant toute la durée du travail, parfois déjà à l'admission. Hein ? C'est-à-dire l'admission. Ben, quand la femme arrive et qu'on doit l'examiner, voir est-ce qu'on l'hospitalise pour un accouchement ou est-ce qu'elle est encore loin, là, il y a pas, c'est pas la violence comme on le voit, mais le fait de dire à la patiente vous êtes venue trop tôt, vous ne savez même pas c'est quoi une contraction. Voilà, elle dénigre un petit peu cette patiente, mais imaginez son état une fois qu'elle a entendu ça. Elle vient pour un accouchement, elle ne sait pas comment ça va se passer, elle ne sait pas si réellement elle est en travail ou pas, si la personne qui est devant elle ne l'aide pas. Et ça, pour moi, c'est une forme de violence. Je suis désolée d'insister, mais puisqu'aujourd'hui, il faut mettre sur cette violence quand même des mots. Qu'est-ce qui arrive pour qu'un médecin en arrive à frapper une femme dans ce moment-là ? Moi, personnellement, j'ai jamais vu qu'un médecin frappait une femme. Personnellement, vous n'avez pas assisté à des violences physiques, plutôt violences psychologiques. Violences psychologiques ? Oui, on assiste à des violences physiques. Par exemple, vous avez des fois de l'expression abdominale, par exemple. Non, mais je parlais, là, c'est parce qu'elle m'a dit quelqu'un qui frappe une femme. Oui, c'est dans aussi, ce par exemple, une femme qui ne va pas poser ses fesses sur la table d'accouchement parce qu'elle est dans l'expulsion et donc, en fait, qu'elle veut libérer son sacrum et son coccyx pour laisser passer le bébé. Elle va lever les fesses, ça ne va pas plaire à la personne qui fait l'accouchement. Donc, moi, j'ai vu très facilement des fessées donner aux patientes. Voilà. Donc là, c'est inadmissible. Parce que la patiente le fait de manière instinctive. Elle veut libérer son bassin pour laisser passer son bébé. Mais la personne en face ne le comprend pas comme ça. Elle a appris d'une certaine manière. Et donc, pour elle, c'est la seule manière qu'elle connaît de faire. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire, justement. C'est un problème de formation, en fait. Parce que quand on fait nos formations,
toutes les femmes devraient accoucher de la même manière, en fait, la position de Rosa que tout le monde connaît. Alors que normalement, si on revient sur la physiologie, c'est que c'est chaque femme, elle a le droit d'accoucher comme elle le sent, en fait, de compte. D'ailleurs, c'était le cas avant. Les femmes marocaines, elles accouchaient accroupies, debout, machaftou la mohammal, chaddam l'hbel, c'est-à-dire c'était des positions d'accouchement, tout ça. C'est dans notre culture, en fin de compte. Le problème, c'est que la formation, on a trop médicalisé l'accouchement. Il est surmédicalisé. Quand on a une femme qui vient à l'admission, comme elle a bien expliqué Naïma, bah, du tic au tac, on va lui placer une perfusion. Automatiquement, toutes les femmes devraient avoir une perfusion. Est-ce que c'est normal? Ça, c'est autre chose. Parce que déjà, le normal, il va falloir le mettre entre guillemets, vous le savez très bien. Mais toutes les femmes, elles vont avoir un monitoring, peut-être toute la période du travail. Peut-être qu'elles seront obligées de rester allongées. Peut-être qu'elles n'ont même pas le droit de manger ou de boire. Tout ça, c'est, pour moi, c'est des toute violences. Toute la préparation. Et concernant ces violences psychologiques dont on parle beaucoup, un médecin qui dit ah bah, il fallait réfléchir avant, alors qu'une femme est en souffrance, ça aussi, vous pensez que c'est quoi? C'est le manque de formation? Peut-être ça, pas quand non. même. Hein. Moi, je pense que très sincèrement, non. Moi, je pense que c'est un manque d'empathie. Oui. C'est un manque d'empathie, tout simplement. Parce que il y a des sages-femmes qui sont comme ça. On ne parle pas que de médecins, encore une fois. Il faut qu'on soit bien clair. Les gens qui se comportent de cette manière et qui ont cette violence psychologique vis-à-vis d'une femme qui n'est pas malade, hein, qui vient accoucher, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est la plus belle chose qui puisse arriver. Normalement, et on se comporte elle de cette... Elle finit par vivre un cauchemar. De cette manière avec elle. Moi, je pense que c'est un manque de conscience professionnelle et un manque d'empathie, tout simplement. Alors que, je reviens à notre culture, comme a dit Fouzia tout à l'heure, dans notre culture, « afiha al-ajr bach nouldoul mra ». Il y a plein de... Tu peux m'aider, Fouzia, parce que je ne vois pas... Est-ce que vous pensez qu'en termes... Parce que là, on met le point sur la déontologie du métier et le fait qu'il n'y ait pas aussi d'évaluation dans les centres hospitaliers, qu'ils soient publics ou privés. Est-ce que vous battez également pour ça? On sait que dans de nombreux pays, il y a une évaluation qui est effectuée. Pour médecins, pour sages-femmes, pour tout le monde. Chez nous, ça n'existe pas. Mmh. Est-ce que vous pensez que ce serait peut-être l'une des solutions? Si ça peut servir ensuite à faire une sorte de remise à niveau et une formation continue, ce serait peut-être une bonne chose. Je pense que le problème est encore beaucoup plus profond que ça. Ce n'est pas seulement la formation qui pose problème. C'est la charge de travail aussi. Une personne gentille, bien éduquée, qui sait très bien ce que c'est que l'empathie et sait comment il faut accompagner et tout ça. Mais à la fin de 24 heures de travail ou de 12 heures acharnées, c'est normal qu'elle va finir par péter un plomb, excusez le terme. Mais la charge de travail, c'est un élément qui est primordial et qui est basique dans tout ce qui se passe en fait à l'hôpital, quelle qu'elle soit le service, mais encore mieux au niveau des maternités, parce que c'est un lieu justement de changement de vie en fait. Une maman qui vient pour accoucher, elle va changer sa vie. Ce n'est plus l'enfant de ses parents, c'est le parent à son enfant. Il y a carrément une métamorphose en fait de vie dans les maternités. Et donc la maternité devrait être le lieu primaire où les gens qui travaillent là-bas travaillent dans de bonnes conditions, dans un cadre qui soit agréable et que la charge de travail soit très logique par rapport au ressenti de chacun. Vous parlez là, vous mettez le point sur le manque d'effectifs. Lors de la journée internationale de la sage-femme en mai dernier, un chiffre avait été avancé qui est celui de 4371 sages-femmes au Maroc. C'est un effectif très réduit à l'échelle nationale. Ces deux derniers mois, d'après l'une de vos consoeurs, il y a eu recrutement dans les CHU et cliniques privées également. On n'a pas le chiffre exact, oui, dites-moi. Au niveau du public aussi. En fait, le recrutement s'est fait cette année de façon différente. C'est dire que le ministère, il est conscient du besoin en sages-femmes. C'est pour ça que le recrutement s'est fait par région cette année. Ce n'est pas au niveau national comme on a l'habitude de faire. Donc cette année, chaque région s'est dit, j'ai besoin de tant de sages-femmes, tant d'infirmiers, tant de machins. Et le recrutement s'est fait au niveau régional. C'est dans ce sens, en fait. Par contre, en fait, cela ne couvre pas complètement le besoin parce que quand même, l'OMS, il dit qu'il devrait y avoir une sage-femme pour 4 accouchements.
vous imaginez. On en est loin. Voilà, on est même très loin. Exactement, on est très alors, loin. Alors, ce qui me fait arriver à la formation. Comment, au niveau des sages-femmes, quand on, qu'est-ce qui fait qu'on devient sage-femme? C'est un diplôme, c'est une formation de quelle durée? Alors d'abord, c'est une vocation, la sage-femme. Il faut avoir la vocation d'être sage-femme avant de commencer ses études. Il va falloir avoir un bac scientifique et subir un concours, un premier concours pour les écoles publiques. Pour les écoles privées, on peut avoir accès. Et je voudrais bien qu'on parle des écoles privées aussi, mais je finis d'abord la réponse de votre question. Après, on fait des études de 3 années qui sont vraiment insuffisantes, mais ça fait quand même 3 années. Et après, on a un diplôme de sage-femme qu'on pourrait développer. C'est une licence qu'on pourrait développer en master et plus tard en doctorat. Pour le moment, les masters, ils sont en cours, c'est-à-dire qu'ils existent déjà. Les doctorats, pas encore, on les fait à l'extérieur. Mais pour le moment, on a déjà une évolution dans ce sens. Le risque qui reste, en fait, pour les écoles privées, par contre, c'est une autre formation. Malheureusement, ce n'est pas le ministère de la Santé qui assure la formation des sages-femmes privées. C'est le truc de formation professionnelle. Voilà. Et donc, le contenu de la formation, il est vrai que le cursus est déposé pour l'acceptation de l'école. Il est donné dans un certain nombre de normes, mais il n'y a pas de surveillance, il n'y a pas d'évaluation, comme vous avez très bien dit. Juridique, vous voulez dire ? Oui, oui. Alors il y a un gros vide juridique niveau du statut de sage-femme. En fait, on forme les sages-femmes comme on formerait une profession tout autre, informatique ou je ne sais pas. Ah bon ? Bah oui, au niveau des écoles privées, c'est ce qui se passe justement. Et c'est ça qui nous tient à cœur en fait. Attendez, ça m'interpelle quand même. Comment on se prépare à l'informatique ? Ce n'est plus la rigueur des écoles de l'État. On n'est pas sur une formation médicale ? Bah non, pas du tout. Pas du tout. Ce sont des écoles. Je suis malheureusement... C'est-à-dire quelqu'un qui fait des études en informatique peut se retrouver sage-femme ? Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que les écoles qui forment les sages-femmes en privé ne sont pas tous faits pour donner des formations pour les sages-femmes. Parce que le contenu de leur formation, on a vu des sages-femmes, nous on les reçoit pour les stages par exemple, on a vu des sages-femmes avec des diplômes privés qui ne savent pas faire un toucher vaginal. Excusez-moi, c'est le béaba quand même pour une sage-femme. Donc, le fait c'est est grave que... ce que vous dites, ça veut dire que n'importe qui peut se retrouver quand même dans un accouchement sans connaître la moindre base chez nous au Maroc. En fait, c'est pas qu'ils ne connaissent pas la moindre base, elles ont les bases théoriques. Ben, si vous parlez du toucher vaginal, excusez-moi, mais c'est quand même la base. Oui, oui, je suis d'accord. Oui. Effectivement, on a eu l'occasion de rencontrer des sages-femmes dans certains lieux, on va dire, où il y a des maternités, qui avaient apparemment des soucis pour effectuer des actes primaires ou pour communiquer, par exemple, c'est pas dans le jargon médical qu'on doit utiliser puisqu'on l'apprend lors de nos études. Et là, c'est vraiment pas le cas. Elles ne savent pas, par exemple, des fois, ce que c'est une leucorrhée. Bien sûr, les personnes qui n'ont pas fait d'études médicales, voilà, ne le savent pas. Mais en même temps, je n'ai pas fait d'études de sage-femme, donc tout va bien. Ou une métrorragie, par exemple, on est obligé de connaître ces termes. Parce que quand on parle à nos collègues, à un gynécologue ou à d'autres personnes, on doit connaître ces termes médicaux. Ça fait partie de notre formation. Et quand on demande à examiner une patiente et que, en fait, si on passe derrière cette personne et qu'on trouve une dilatation différente ou une consistance de col différente ou la position du col, etc., c'est qu'il y a un réel problème. Donc le problème se pose au niveau des écoles privées ? Oui. Oui, clairement. Oui, c'est-à-dire que des écoles privées sont montées, non pas, mais ce sont des écoles privées reconnues par l'État ? Il y a ceux qui le diplôme est-il reconnu par l'État ? En général, non. Et comment peuvent-ils exercer sans avoir de diplôme reconnu par l'État ? Je comprenne, hein, parce que là, je ne comprends plus rien. Je peux vous répondre, madame, à cette question, parce que j'ai dû chercher pour comprendre moi aussi. Donc, en fait, l'État, elle ne recrute que les personnes qu'elle a formées. D'accord. Et donc, toutes les sages-femmes qui sont au niveau des hôpitaux publics, ce sont des sages-femmes qui sont recrutées, qui ont reçu leurs études dans les écoles de l'État. D'accord. Le problème, il existe au niveau des maternités privées. Les maternités privées ne se soucient pas réellement de la qualité de la sage-femme qui va recruter du moment qu'elle a un diplôme de sage-femme. Et ça parce que tout simplement, il n'y a pas assez de sages-femmes qui sont diplômées de l'État. Et donc tout le monde se met à former des sages-femmes
à dire qu'entre guillemets la formation des sages-femmes. Pourquoi ? Parce que le besoin, il est là dans le marché. Il y a le besoin de sages-femmes. Et donc, on forme des sages-femmes à la chaîne. Mais c'est pas des sages-femmes. Quand même des critères. Il se trouve que les critères, ils sont là, ils sont notés noir sur blanc, mais le résultat ne suit pas ce qui a écrit dans la documentation des écoles. Ouais. Là, nous, quand on voit le document avec lequel, sur lequel on s'est basé pour avoir justement l'accréditation ou l'acceptation de cette école, bah, le contenu, il est bien. On a vu, on a feuilleté, on a revu, on a vu mais plusieurs dans les écoles. Faits, rien à voir. Mais sur le tas, quand on voit les sages-femmes qui sont sur le terrain, malheureusement, et ça nous pose vraiment problème parce que nous, on n'accepte pas d'avoir des profils comme ça avec là, une nomination de sages-femmes. Et là, ce sont des formations de quelle durée, par exemple, dans ces c'est écoles toujours privées. Un bac plus 3. Heureusement. Heureusement. Alhamdulillah. Heureusement, c'est toujours un bac plus 3. Mais maintenant, il faut voir le niveau du bac, comment il est. Il faut voir, par exemple, les écoles de l'État. Il ne prend pas n'importe quel bac. Il faut vraiment avoir une bonne note dans ton bac. Et il faut vraiment passer le concours et se préparer pour. Et puis, il faut voir le cursus de l'école. Hein. Ce n'est pas facile. D'ailleurs, toutes les écoles maintenant, ils sont en train de passer de 3 années pour la licence à 4 années pour le bachelor. Bah ça, c'est peut-être un message à envoyer à notre ministre de l'Éducation nationale, parce que vous mettez quand même le doigt sur un sujet et non des moindres, avoir des sages-femmes qui n'ont pas le bagage. Bah, mais elles font des stages quand même, rassurez-moi. Oui, ils font des stages, mais malheureusement, ils ne sont pas accompagnés pendant leur stage. C'est-à-dire qu'on va les mettre dans les structures de soins. Oui. Et on va leur dire qu'il faut passer tant d'heures dans les structures de soins, mais il n'y a personne derrière pour corriger, pour dire voilà, ça c'est correct, ça c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc on les met sur le tas, ils doivent apprendre sur le tas. Il n'y a pas de tuteur de stage. Voilà, ce n'était pas notre cas, nous, quand on était étudiante, et moi j'ai eu un diplôme marocain, purement marocain, ben, nous avons toujours nos tutrices de stage qui sont derrière, nos encadrantes qui étaient derrière, ils vérifiaient après nous. Déjà, on ne pouvait pas toucher une personne sans avoir l'autorisation de la tutrice. Et ben, ce n'est pas le cas maintenant. Maintenant, il y a une évolution en fait dans l'enseignement. Il y a maintenant la simulation. On ne fait jamais le premier geste sur l'humain, sur le patient. Maintenant, heureusement, il y a la simulation. Heureusement, d'ailleurs, les trois, on est formés pour la simulation. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de toutes les écoles privées. Moi, je demande à faire un tour dans les écoles privées de sages-femmes et voir comment sont les structures et comment. Oui. Comment la formation est faite, comment les études sont faites, qu'est-ce que ces jeunes apprennent réellement, les stages qui les encadrent durant les stages. Parce que s'il n'y a pas de tuteur, comment on peut apprendre sur le terrain réellement ? Exactement. Comment on peut. Et là, ces stagiaires, vous les voyez toucher des femmes ? Ben, ça dépend en fait. Quand on est là, ils ne touchent pas parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à nous. Mais quand on n'est pas ça là. Ça arrive. Ben oui, c'est sûr que ça va arriver. Sinon. Ben, de toute manière, elles les toucheront une fois diplômées, ces femmes. Oui. Ben oui, mais avec un diplôme qui ne vaut rien finalement, puisque la formation n'est pas réelle. Je vais juste vous dire, je vais juste rappeler une chose, c'est que il y a 2 ans, les filles, je crois qu'il y a 2 ans, nous étions responsables d'une formation d'une centaine de personnes qui allaient être recrutées par un CHU privé ici à Casablanca. Mmh. Je vous promets, nous avons fait une formation qui a duré 5 semaines. Je vous promets que les étudiants, toutes filières confondues, polyvalents, infirmiers anesthésistes et sages-femmes, hein, toutes filières confondues, eh ben, elles nous ont fait remarquer que sur les 5 semaines, elles ont été plus encadrées et plus formées que les 3 ans qu'elles ont passé dans les écoles privées. C'est une affaire d'argent ? Je ne pense pas que c'est une affaire écoles privées d'argent. Je pense que, en fait, la pierre, on ne doit pas la jeter à ces sages-femmes parce qu'elles ont choisi de faire sages-femmes, donc elles ont la vocation d'être sages-femmes. Elles ont fourni de l'argent. Leurs parents ont payé pour qu'ils soient sages-femmes. Nous, on voudrait bien les prendre avec nous. On voudrait bien les former. Mais du moment que ça... En fait, c'est une hémorragie de plusieurs trous. Et donc, toi, quand tu colmates l'un, il y a l'autre qui coule et ça va continuer comme ça. Et ce sont les femmes qui paient, en fin de compte. Et ben, nous, ce sont les patientes qui sont voilà. Ces patientes, c'est nos frères, nos sœurs, c'est nos filles, c'est nos familles en fin de compte. Nous, on considère que toutes les femmes font partie de notre famille. Et voir ça sur notre... Malheureusement, Casablanca, c'est un terrain qui est ouvert dans ce sens. Parce qu'on a beaucoup de cliniques privées et qui recrutent des écoles privées. Et nous avons beaucoup d'écoles privées, mais il n'y a pas de surveillance, en fait. Il n'y a pas de contrôle sur cette formation, en fin de compte. Mais le fait est que le ministère
s'il ne les prend pas chez lui, c'est qu'il n'est pas d'accord sur la formation, en fait, de compte. Pourquoi il mais y aurait... comment, alors bah, il y a un concours de donc recrutement. Le diplôme n'est pas, pour certains, bien évidemment, encore, on ne va pas généraliser. Exactement, encore une fois, faut pas généraliser. Pour certains, ce diplôme n'est pas reconnu pour l'État, par l'État, pardon, mais... ils pratiquent et ils exercent sur le terrain. C'est là où c'est grave, quand exactement. Même. Exactement. C'est là où c'est grave. Exactement. Donc, ils diplôme même pas droit... reconnu et elles ont le droit d'exercer. Exactement. Elles ont le droit d'exercer. Elles ont même le droit d'avoir leur propre cabinet, leur maison d'accouchement. Il y en a celles qui prennent leur formation ici à Casablanca, mais ils ouvrent ailleurs au Maroc. Vous savez, le Maroc, maintenant, c'est un champ ouvert partout, en fait. C'est un monde où il y a encore des accouchements. Il y aura toujours des accouchements, sachant que la sage-femme n'est pas là seulement pour l'accouchement. Elle est là pour tout le circuit de vie de la femme, depuis la puberté jusqu'à la naissance, depuis la naissance, d'ailleurs. C'est alors, pas... je vais vous avouer, j'étais déjà extrêmement choquée par les violences que j'ai entendu la semaine dernière, mais là je le suis encore davantage. Je crois que ça explique beaucoup beaucoup de points noirs, mais ça me choque d'autant plus de savoir de jeunes praticiens sans aucune formation réelle, en fait, juste limite et qui se retrouvent encore une fois, je veux dire, on parle de patientes qui viennent accoucher pas correctement encadrés, certains qui ne connaissent pas le B.A.B.A. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait changer et de toute urgence, selon vous, Laetitia? De toute urgence, Parce que Fawzia a raison, je veux dire, il faut commencer à la base, qui est la formation. Oui. La formation initiale dans les écoles privées, c'est clair qu'il faut avoir un regard. Je pense que les associations de sages-femmes qui existent sur le territoire ont de toute façon leur mot à dire et qu'on devrait vraiment s'y intéresser pour pouvoir justement remettre à niveau toute la structure et pouvoir justement encadrer au mieux les étudiants et en faire des professionnels de santé aguerris et qui ont une expérience avec de vrais professionnels. Il faudrait voir avec le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, parce que les deux sont concernés. Exactement. Oui. Le truc, c'est que, justement, chacun se dit que ce n'est pas lui le responsable des écoles privées, justement. Parce que, tout simplement, la formation de sage-femme, elle est médicale partout dans le monde, sauf chez nous, pour le moment. Parce que la profession sage-femme, c'est une profession qui est médicale, avec des compétences responsabilités qui limitées. Des compétences qui sont limitées. Ça a été le cas chez nous en 59, en 61, mais petit à petit, ça s'est réduit où on se retrouvait avec le paramédical. Le terme, il est délaissé pour le moment. Paramédical, ça n'existe plus. Mais bon, le fait est qu'on est dans le deuxième temps, alors que normalement, non. Si on revient sur le truc de l'accouchement, la chose de l'accouchement, les 85% des accouchements devraient se faire de façon très physiologique, très normale. Et ce sont des sages-femmes qui devraient prendre en charge cette partie de la vie des femmes. Alors, vous êtes formée en association. Il y a l'association marocaine des sages-femmes qui existe au niveau national. Vous avez créé, vous, le bureau au niveau de Casablanca, si j'ai tout bien compris. On attend toujours notre voilà, vous attendez un peu la validation de votre association, mais ça y est, elle a vu le jour. Est-ce qu'il ne serait pas opportun d'ouvrir un véritable dialogue également entre professionnels et peut-être le ministère? Est-ce que c'est, je ne sais pas, est-ce que vous avez interpellé le ministre de tutelle, peut-être une lettre ouverte pour mettre l'accent en fait toutes ces difficultés? Parce que dans ce que vous dites, il y a quand même une solution qui est possible. Peut-être que même vous, en tant que sage-femme, vous aimeriez accompagner en fait nos futurs, les sages-femmes de demain, Laetitia. Ah oui, c'est quelque chose qui a été fait sûr. Ou pas du tout? Je ne pense pas que c'est été fait en tout cas de cette manière. Mais nous, en tant qu'association, on est justement très ouverte. On veut trouver des solutions. On est plutôt justement positive, on regarde, bien sûr, il y a des problèmes, mais on est là pour trouver des solutions. Donc après, nous, si on va tendre la main et on va essayer de faire ce qui est en notre pouvoir, on ne va pas lâcher l'affaire et j'espère que ça va pouvoir porter ses fruits. Et alors, vous n'allez pas lâcher l'affaire, vous allez faire comment? Parce que vous n'allez peut-être pas attendre, excusez-moi l'expression, que ça vous tombe dessus, parce que ça fait des années que ça dure. Mais justement, c'est pas aujourd'hui... on va engager des actions. C'est quoi comme action?
Faut pas me titiller dessus. Si vous parlez d'actions, je veux savoir lesquelles. En fait, nous sommes en train de s'organiser dans ce sens. Nous sommes en train de préparer justement un courrier dans ce sens, comme vous l'avez très bien dit, justement, pour montrer notre désaccord avec ce qui se passe au niveau... courrier à qui? Monsieur le ministre, maintenant. Très bien. En fin de compte, c'est ce qui est prévu, mais tant qu'on n'a pas encore notre quittance, on ne peut rien vous faire. Vous attendez juste, Il n'y a pas seulement ça. En fait, la sage-femme, elle en subit de tous les côtés, en fin de compte. Il y a des sages-femmes qui voudraient être sages-femmes et qui se mettent à quatre pour avoir le diplôme de sage-femme, même si ce n'est pas une formation qui est assez... Bon, il y a des choses à faire. On peut les remettre à niveau, comme elle a bien précisé Naïma. Il y a des choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Mais il y a aussi les gens qui usurpent la profession de sage-femme. Et ceux-là encore, nous trouvons qu'ils sont encore plus graves parce que je vous explique, moi, femme enceinte, j'ai entendu parler de tout ce qui est préparation à la naissance, par exemple. Je vais taper ça sur le net et je vais chercher une personne pour m'accompagner, me préparer pour mon accouchement. Et bien, croyez-moi, madame, vous allez trouver peut-être 2-3 noms de sage-femmes, mais le reste, ce sont des femmes qui ne sont pas sage-femmes, mais qui se proclament sage-femmes. Ils n'ont pas le diplôme de sage-femme. Et parfois, ils n'ont aucune formation. C'est ça le problème, madame. C'est pour ça l'association marocaine des sages-femmes, je finis juste mon idée si vous voulez bien, l'association marocaine des sages-femmes, elle voit tout le Maroc. Et ce vrai problème n'existe pas partout dans le Maroc. Ce problème, il est plutôt spécifique aux grandes villes, Casablanca, Marrakech, Tanger. Donc, c'est les grandes villes où les femmes sont plus émancipées et donc elles cherchent à savoir. Maintenant, l'information, elle est très facile à avoir. Il suffit de taper ça. Par exemple, aujourd'hui, moi, je suis enceinte. Oui. D'accord. Je vais aller sur parce que là, tous les auditeurs qui nous écoutent, c'est un conseil important que vous pourriez leur donner. Déjà, exactement. Rien que ça. Je suis enceinte, je cherche une sage-femme pour m'accompagner. Est-ce qu'il y a une liste officielle de sages-femmes connues et reconnues, inscrites, enfin tout ce que vous voulez, pour pas que je me fasse avoir et que j'aille chez... Alors, en fin de compte, madame, vous êtes en train de nous dire, tout ce qu'on est en train de faire au niveau du bureau de Casablanca. C'est ce qu'on est en train de faire. Il faut savoir une liste officielle. Oui, c'est ça. On est en train d'essayer elle est essentielle. Elle n'existe pas encore à ce jour. Officieusement. On dit le barreau des médecins? Non, l'ordre. Le barreau, c'est pour les avocats. Il y a, par exemple, l'ordre des médecins. Mais madame, vous voudrez bien vous avoir avec nous à l'association. Marhaba, j'y vais. Moi, je ne suis pas sage-femme, mais je veux bien. Mais voilà, il y a l'ordre des médecins. Il n'y a pas l'ordre des sages-femmes. C'est aussi en cours, est en train d'attendre une réglementation. La dernière réglementation. Nous sommes en 2021. On attend toujours. On sait. Ça prend une éternité. Pour avoir une petite information, une législation, ça prend une éternité. C'est pas possible. Il y a des lois qui sont promulguées, tout le monde est d'accord dessus. Mais pour avoir les articles, c'est tout un... On ne les trouve pas. Ça veut dire qu'on n'a pas l'information, ça veut dire qu'elle est décidée, mais nous, en bas de l'échelle, on ne peut pas la voir. Alors répondez-moi, ces 4371 sages-femmes, ce sont de vraies sages-femmes ou pas? Ce sont des sages-femmes qui sont diplômées du ministère de la Santé. D'accord. Donc ce sont des vraies sages-femmes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne connaît pas les autres chiffres. Exact. Oui. De celles qui exercent, mais qui ne sont pas spécialement diplômées. Oui. Alors nous, en fait, au niveau de l'association de Casablanca, on voudrait bien récupérer toutes ces sages-femmes. On voudrait bien les reprendre, toutes les sages-femmes, avec tous les diplômes. Oui. Et on va même leur proposer un moyen de se remettre à niveau. On y pense. On a des préparations qu'on a déjà établies, on a des choses à faire. Mais il va falloir vraiment qu'on nous laisse la main pour travailler dans ce sens. Et puis surtout, il faudra vraiment que le ministère nous suive dans ce sens parce qu'on n'est pas capable de former toutes les sages-femmes. Mais par contre, on peut établir un référentiel de remise à niveau, de dire voilà ce qui manque dans la formation, voilà ce qui manque. Mais il faut savoir aussi qu'il y a certaines informations, ou de formation carrément, que même en tant que sage-femme diplômée d'État marocain, je n'ai pas si je ne cherche pas ailleurs. C'est vrai que je suis formée de façon à pouvoir prendre en charge une femme, techniquement parlant, correctement. Mais le côté psychologique de l'accompagnement, là, il fait un petit peu défaut. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des formations. Nous, on a toutes suivi des formations ailleurs pour avoir justement cette possibilité. Mais maintenant, ça existe au Maroc. Il y a des sages-femmes qui font des formations. Nous-mêmes, on fait des formations dans le sens de l'amélioration. Pour vous remettre à niveau... Il y a la remise à niveau, mais il y a aussi, par exemple, les formations sur la rééducation périnéale, par exemple. Parce que ça cause tellement de problèmes à la préparation à la naissance. Avec tous les types de préparation à la naissance qui existent. Et puis surtout, c'est que nous, on est adaptés à nos structures de soins.
On sait ce qui se passe dans les structures de soi. Donc, on prépare par rapport aux structures de soi. Ce qui se passe avec les autres personnes, c'est qu'ils préparent dans un monde de, virtuel. Moi, j'appelle ça un monde de bisounours. J'allais le dire, Naïma. Parce qu'elles sont vraiment mises dans des nuages. Sur un nuage, plutôt que quand elles voient la réalité des choses. Ça fait un choc. Ça fait vraiment un choc qui est pathologique même. D'ailleurs, toutes les trois, nous avons reçu en deuxième main des femmes qui ont été préparées par ce genre, de personnes. Des sages-femmes, par exemple. Et vraiment, les femmes, en fait, subissent encore plus de violences. Usurpateurs de sages-femmes, c'est-à-dire ouais. Elles se proclament sages-femmes ou elles utilisent les compétences d'une sage-femme alors qu'elles n'en ont pas le diplôme. Et elles font ni croire... les compétences. Voilà, elles n'ont pas les compétences, mais elles font croire qu'elles sont sages-femmes. Et elles proposent, par exemple, la préparation à la naissance et à la parentalité que peut proposer une sage-femme. Mais c'est seulement une sage-femme qui peut faire ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est nous qui sommes dans les salles d'accouchement, c'est nous qui sommes auprès des femmes et qui avons les connaissances, puisqu'on s'appelle sage-femme justement, c'est la connaissance des femmes. Donc une personne qui n'a pas de reçu de formation médicale en soi, ni sur le côté émotionnel, psychologique et social, culturel ou tout ce qu'on peut avoir dans notre formation, comment peut-elle s'approprier cette compétence ? C'est une violence pour la femme qui se retrouve ensuite dans la salle d'accouchement et qui croit qu'elle va utiliser à sentir des fleurs de lavande pour se détendre et accoucher normalement. Mieux encore, Laetitia, il y a celles qui leur disent que toutes les femmes doivent accoucher par voie basse. Toutes les femmes ne doivent pas recevoir d'épisiotomie. Toutes les femmes doivent allaiter au sein. Alors qu'on est toutes différentes. Chacune a son rythme, chacune a son corps, chacune a sa façon de voir le monde, en fait. C'est une histoire, la femme. C'est pas un truc qui est standard. Et pourtant, on va insister dessus, c'est un métier des plus nobles. Vous êtes indispensable, et je le dis haut et fort. Vous avez quand même un rôle médical, mais aussi social, qui est très important également. Vous jouez un rôle de premier plan dans la lutte contre la mortalité infantile. Vous êtes notre devenir, notre présent, notre passé, notre devenir, parce que nos enfants sont un peu les vôtres, quelquefois. On peut se souvenir à vie d'une sage-femme qui nous a accompagnés pour la naissance de notre enfant. Et est-ce que vous ne pensez pas que... Je vais chercher le mot exact, j'allais dire dénigrer, mais c'est pas vraiment ça. C'est le mot. C'est le mot qu'on utilise en fait. Ouais, nous, que vous êtes dénigré. J'allais dire un manque de reconnaissance, mais vous préférez dénigrer, qui est effectivement beaucoup plus fort. C'est très fort en fait. C'est beaucoup plus fort que de manque de reconnaissance. Que votre métier est dénigré. Nous, on trouve que notre métier est dénigré. Est-ce qu'on pourrait former des médecins de la même manière qu'on forme des sages-femmes au niveau des écoles privées maintenant, sachant qu'il y a des écoles, il y a des universités maintenant qui sont privées de la médecine. Mais est-ce que c'est la même formation? Est-ce que le contenu de la formation des médecins est aussi délaissé que le contenu de la formation de la sage-femme? Est-ce que c'est, malheureusement, je ne comprends pas ce délaissement, alors que chacun aura au moins une fois dans sa vie besoin d'une sage-femme, de toute façon, quelle qu'elle soit. La majorité de nos patientes que nous suivons pour la préparation à la naissance, rééducation périnéale, ce sont des médecins, des architectes, c'est des personnes qui sont d'un certain niveau quand même. Malheureusement, nous, on voudrait que ce soit vulgarisé pour toutes les femmes. Toutes les femmes ont droit à savoir ce que c'est qu'un accouchement. Toutes les femmes doivent participer à accoucher. En fin de compte, l'accouchement, si on ne le fait pas, il va se faire tout seul. Une expérience positive, c'est ce que recommande l'OMS. Et je pense aussi que le ministère de la Santé est dans cette mouvance de dire chaque femme doit avoir une expérience positive de son accouchement. Peu importe comment ça va se passer, que ça va terminer en voie basse, de manière physiologique ou en césarienne. Mais en fait, on doit avoir une naissance qui est respectée. Et c'est aussi notre rôle en tant que sage-femme, c'est de faire en sorte que la femme soit écoutée et respectée. Accompagnée. Exactement. Et accompagné. On va arriver au terme de cette émission. Quel message vous auriez envie de transmettre? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses que vous dites, et non des moindres, qui montrent à quel point l'urgence est là d'intervenir au plus vite pour vous toutes. Moi, j'ai envie de dire de fédérer toutes les sages-femmes à travers le Maroc, d'être ensemble, et justement de travailler ensemble à ce que le monde soit meilleur, si on peut parler de manière générale, pour nous et pour les patientes.
Moi, je vais être un peu plus terre à terre que Laetitia, comme j'ai l'habitude de l'être, justement. Moi, je pense qu'il y a trois niveaux sur lesquels il faut absolument travailler. Il y a la formation de base. Et ça, il n'y a pas de choix là-dessus. Il faut faire quelque chose. Et là, donc, chose, avec c'est une urgent. Lettre ouverte au ministre de l'Éducation nationale. On va vous tenir au courant, Inch'Allah, quand on va le faire. J'espère bien. Donc là, ce sera une lettre ouverte très prochainement au ministre de l'Éducation nationale pour que. Inch'Allah, qu'on fasse quelque chose. Ça va être pour très... les deux, en fait. Et le ministère de la Santé. Et le ministre de la Santé. Et puis, il y a la formation de formation continue qui va suivre. En fait, c'est pour moi, c'est le même dossier, en fait. C'est la formation. Le deuxième niveau, c'est la réglementation. Parce que si ça ne suit pas, on ne pourra pas avancer comme on veut avancer. Et je pense qu'il est temps. Le Maroc est prêt. Le besoin est là. Il est ressenti. Et d'ailleurs, c'est pour ça que d'autres personnes en profitent. Parce que le besoin, il existe et il est réel. Et donc, tant on ne répond pas, qu'on ne répond pas, nous, sages-femmes de qualité, eh ben, il y aura toute autre personne qui pourra venir et faire ce qu'elle a à faire et usurper, justement, la profession sage-femme. Et le troisième niveau, pour moi, ça va être l'associatif, tout simplement. Parce que les sages-femmes, elles doivent se réunir, elles doivent être fédérées, comme elle a bien dit, Laetitia, pour qu'on soit vraiment une force de demander quoi que ce soit, qu'on voudrait avancer dans le sens des femmes. Eh ben, il va falloir qu'on soit ensemble pour ça. Et justement, bah, peut-être que c'est l'occasion aussi de demander aux sages-femmes d'adhérer aux associations. Moi, je ne suis pas en train de les inviter à adhérer à mon association, mais au moins à une des associations des sages-femmes. Ils sont deux qui sont très connues, la nationale et la marocaine. Bah, il est temps de s'y mettre, qu'elles soient publiques ou privées. Venez, mettez-vous avec nous dans des associations et avançons pour le bien des mamans, parce qu'il est temps d'avancer et il est temps de prendre soin de nos mamans. Naïma, voilà. Ben écoutez, moi je suis d'accord avec mes deux collègues, mais je ne vais pas répéter la même chose. Moi je pense que la sage-femme doit se respecter, doit se donner la valeur qu'elle mérite pour pouvoir se faire respecter par les autres. Et dans la première ligne, bon, nos patientes en général, nos femmes, elles nous respectent, mais le gros souci que nous avons, désolé, mais c'est avec le milieu médical. Pour lesquels, je ne sais pas, je vais peut-être dire un truc qui va me retomber dessus après, mais j'ai l'impression, j'ai vraiment l'impression que nous sommes une épine dans leurs pieds. Pas à tous, hein, mais dans la majorité. Et c'est de là que vient en gros tous ces soucis, parce que on a dit dans le privé, on est là, on accompagne la femme de l'admission jusqu'à la fin du travail, et puis on appelle le gynéco pour venir faire l'accouchement. Je vous promets que moi je suis frustrée à chaque fois. Et la patiente aussi. En tout cas, je parle de moi, je suis frustrée à chaque fois parce que je me dis, mais zut, j'ai tout fait et puis là, est-ce que j'aurais pu terminer. C'est la première fois, toutes les trois, que vous parlez dans un média de tous ces problèmes. Oui. Oui, exactement. C'est justement pour ça qu'on remercie Naïma, parce que nous, on n'a pas eu le réflexe de vous appeler quand on a entendu l'émission. Oui. Ça nous a vraiment, ça a fait des choses en nous, plein de choses. Mais le réflexe d'appeler, c'était elle. D'ailleurs, merci beaucoup Naïma pour ça. Écoutez, et on espère que ça ne va pas être le dernier, parce qu'on voit d'autres personnes sur les médias. On voit des personnes qui n'ont aucune formation. Parler de notre métier. Et qui parlent de notre métier. Et nous, on voit ça. Et on est frustrés. Et on entend de mauvaises choses. Et on ne fait rien, en fin de compte. De fausses sages-femmes, en fait, qui s'expriment. C'est même pas. Exactement. C'est même pas des fausses sages-femmes. Ils n'ont rien à voir avec la profession. C'est des personnes qui s'expriment. Et qui s'expriment dans les médias, qui donnent des conseils dans exactement. Les médias. Télé, exactement. Radio. En même temps, c'est compliqué pour nous. Hein. Je ne vais pas jeter la pierre à mes confrères ou consoeurs. C'est difficile pour nous, puisque vous nous dites qu'il n'y a pas d'ordre de sage-femme qui existe. Il n'y a pas de liste officielle de savoir telle sage-femme est une vraie sage-femme ou pas. C'est très, très compliqué. On sait qu'on s'est battu pendant très, très, très longtemps au Maroc avec justement l'ordre des médecins pour avoir un véritable site, savoir qui est légal, qui ne l'est pas, pour justement éviter toutes ces escroqueries. Dieu sait que nous en avons eu beaucoup. Il faut qu'aujourd'hui, au niveau des sages-femmes, il y ait une meilleure législation et, dans ce que vous nous avez dit, un contrôle aussi des diplômes de sages-femmes pour réglementer en fait tout le secteur. Exactement. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu, d'avoir le courage de parler, vous également.
Encore une fois, le débat est ouvert, on y reviendra. Envoyez-nous cette lettre ouverte que vous allez partager. Je vous promets qu'on va le faire. Charles. Voilà. On va le faire. Merci. Vous y approchez, Naïma Isder, j'ai bien prononcé Isder, et Laetitia Rustenmeyer. Bon courage. Merci pour votre partage. Et puis ne lâchez rien. On va essayer de vous accompagner du mieux que nous pouvons. En même temps, j'ai envie de vous dire, comme nous l'avons dit aux jeunes la semaine dernière, on a un nouveau gouvernement, on a un ministre de la Santé qui suit la pandémie depuis X années, on a un nouveau ministre de l'Éducation nationale, peut-être que c'est le moment. Ou jamais. C'est justement le moment de commencer. Faut toujours commencer. C'est ce qui vous a peut-être un petit peu motivé, j'imagine aussi. Non, moi, ce n'est même pas le côté politique. Moi, c'est le débat lui-même. Mais sans les lui-même. Politiques, vous ne pourrez rien faire. Non, je ne suis pas très politique, moi. Donc, mais la politique s'intéresse à vous, quoi qu'il arrive. Non, ouais. je sais, je le sais. Même mais quand c'est on ne fait pas de la politique, on la première chose qui m'a interpellée, c'est les deux petites jeunes. Vraiment, j'ai adoré ce qu'elles ont dit, c'est ça. Je leur ai dit, écoutez, c'est la perche qui nous est tendue, on y va. Voilà. Ben, on va leur transmettre cette émission et on va bien évidemment la partager avec vous sur nos réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram ou Facebook, puisque vous retrouverez l'intégralité de cette émission. Merci encore à toutes les trois d'être venues et puis on se dit à bientôt. Ciao, à bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau Faites Entrer l'Invité. Vivre avec vous. I